avec un excellent départ pour Olivier Pernaut. Et Sarri, c'est Pucier qui s'en sort le mieux. Exactement, mais depuis sa place en première ligne, Olivier Pernaut s'est envolé. Derrière, on a une petite touchette entre les voitures et c'est Nicolas Prost qui a réussi. Derrière, juste Olivier Pernaut à prendre la deuxième place pour l'instant. Les deux voitures pour l'instant, par choc contre par choc. Olivier Pernaut qui a pris la flaque d'eau, ça l'a complètement stoppé, arrêté. Et derrière, bien sûr, on peut se freiner dans ces grandes flaques d'eau. On arrive avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de latéral. Et l'eau, et la quantité d'eau, vous ralentit, vous freine complètement. Alors que Renaud Lavillenie, là-bas, est en difficulté après l'arche Yokohama. Il est sorti. Oui, il est sorti là-bas et que le premier tour est bouclé avec toujours Olivier Pernaut en tête avec 8 dixièmes d'avance sur Nicolas Prost, une seconde et 7 sur Pucier, 3-4 sur Nicolas Barthes. Et Nicolas Prost hein, qui a fait, il est parti quatrième, ouais. Il est déjà deuxième, il a fait un superbe coup. Il était juste derrière Olivier. Motivé Pernaut. Nico Prost, et motivé. Ah oui, bien sûr, lui, compensé. Attention, Sylvain, là, de ne pas perdre la I-208 dans cette finale pour l'instant. Et il est obligé de s'employer, là, Olivier Pernaut, puisque regardez, Nicolas Prost est dans le bouclier arrière de la voiture qui porte les couleurs Andros. Il ne lâche rien pour l'instant. Et dans ce deuxième tour, il est au contact avec même pas une seconde de retard sur Olivier Pernaut qui pour l'instant maîtrise bien la situation et reste en tête. Et là, tous les pilotes ont vu qu'il y avait un saut de voiture avec Renaud Lavillenie et que pour l'instant, il était monté en haut du talus et tout le monde l'a vu, drapeau jaune. Donc on ne pourra pas doubler dans ce virage, mais en tout cas, le pilote va bien. Ouais, tout va bien, il n'y a pas de souci. Il a un peu garé la voiture sur le talus pour ne pas gêner les équipes camarades. Attention, le retour peut-être de Nicolas Prost qui a gagné un dixième dans le tour précédent en s'emparant du recours du tour avec un 44-0. C'est pas mal quand même, un 44 dans la finale. On voit qu'il a l'air un petit peu plus rapide, la colis des Pernaut, mais pour l'instant, il ne trouve pas d'ouverture. Ouais, il est un petit peu plus rapide, il va sûrement tenter quelque chose. Il y avait le double drapeau jaune, un drapeau jaune dans la grande courbe et ici pour protéger la voiture de Renaud Lavillenie. Il n'y a pas de drapeau vert, hein. On est dans un format de course où on ne présente pas le drapeau vert juste après l'incident, il faut le rappeler. Mais attention ici, Nicolas Prost peut peut-être tenter quelque chose, c'est évident. Ah, il est tout prêt, il y a une seconde d'écart, hein. ça aussi le chrono entre 6 dixièmes et une seconde entre les deux pilotes de tête. Alors que derrière, Sylvain Pucier est toujours troisième en bagarre avec Jérémy Sarri et Nicolas Barthes qui fait une belle fin de saison, notre ami belge qui est venu faire sa première saison sur le trophée Andros, qui a appris beaucoup de choses et je suis sûr qu'on le reverra l'année prochaine. Alors oui. Oui, il reste deux tours encore à parcourir et Olivier Pernaut toujours sur la menace de Nicolas Prost, mais pour l'instant il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Le pilote de la Zoé, il s'est même laissé décrocher légèrement, peut-être gêné aussi par les projections. Ah, mais il va rester deux tours, il a intérêt à trouver la solution par la fenêtre, par la porte, par quelque part, mais il va falloir trouver la solution maintenant que deux tours. On est à deux tours de l'arrivée ici. Cinquième tour sur six. Oui, cinquième tour sur six, mais toujours pas d'ouverture et toujours la seconde. Ça n'a pas bougé l'écart et Olivier Pernaut, record du tour, 43-7. Amélioration pour l'instant du record du tour, mais il est toujours devant Olivier, il va peut-être aller chercher cette finale. Attention, il reste encore et on dirait qu'il s'échappe là, Olivier Pernaut. Il est en train de marquer le coup là, Prost. Et oui, mais quand on est derrière, on a les projections d'eau et de neige et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas évident quand on est juste derrière. Et en plus, il y a un double drapeau jaune, donc ça complique les choses pour Nicolas Prost. On va rentrer dans le dernier tour, mon cher Philippe Verlaine, dans cette finale. Cette finale, on ne dira pas petite finale, on dira une grande finale parce qu'avec ce sont des grands pilotes. Il n'y a que des grands pilotes sur le trophée Andros de toute façon. Et voilà, nouveau passage sur la ligne de chronométrage pour Olivier Pernaut qui rentre dans son dernier tour avec toujours une seconde d'avance sur Nicolas Prost qui n'aura rien lâché tout au long des six tours de cette finale, mais pas trouvé d'ouverture pour l'instant sur Olivier Pernaut. Là, ça va être difficile puisqu'il lui reste trois virages avant le passage sur le drapeau à damier et ça risque d'être compliqué pour le pilote de la Zoé. Ouais, ça va être compliqué de trouver sportivement un trou sur les 350 mètres du circuit qui reste. Maintenant, Olivier Pernaut rentre dans ce virage complètement en sous-virage, mais il y a un drapeau jaune. Il est protégé ici, à moins d'une catastrophe. Je ne vois pas comment il pourrait passer à côté de cette victoire. Ici, une victoire de plus pour le team Muller avec cette voiture Andros devant tous les invités, bien sûr, Andros. Ah, ça va être génial, ça va être génial. Et voilà, le drapeau à damier dans 20 mètres maintenant et c'est fait. Olivier Pernaut qui s'impose devant Nicolas Prost. Attention, là, dans le dernier virage, le tour d'accélération sous applaudissements d'un public connaisseur. Ensuite, on va retrouver Sylvain Pucier, troisième. Jérémy Sarri, quatrième. Oh, allez, il y a 4 dixièmes d'écart. Et Nicolas Barthes qui en termine à la cinquième place. Alors que, malheureusement, Renaud Lavillenie regarde ses petits camarades là-bas en disant « Bon, ben voilà, c'était raté, mais je me suis bien marré quand même tout aujourd'hui. Et je ne regrette pas d'être venu. »